Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Ce matin, je suis à Électro-Dépôt de Montgeron. Le sèche-linge pompe à chaleur, 349 euros, 8 kg. Les machines à laver, Beko, 259,99 €, c'est une 7 kg. On a plusieurs marques, on a la Samsung à 299,99 €. Et on a celle-ci à 359,99 €, toujours en 7 kg. Sinon, vous avez celle-ci avec l'ouverture par le haut, là, 289,99 €. Après, choisir, qu'est-ce qu'on choisit, celle-ci ou celle-ci? En fait, ça va dépendre où vous voulez la mettre. Si c'est dans un petit espace, dans une, comment dire, dans une buanderie ou dans un coin d'une pièce, sans plan de travail, donc on va mettre celle-là. Celle-là, on va venir mettre un plan de travail, ou bien on peut mettre un sèche linge dessus. Et d'ailleurs à Électro-Dépôt ils vendent le système, donc c'est une, comment dire, c'est un petit plan comme ça qu'on va poser sur la machine à laver et on va pouvoir mettre le sèche-linge dessus. Alors un sèche-linge c'est assez léger, c'est beaucoup plus léger qu'une machine à laver, et puis c'est plus pratique pour gagner de l'espace. Après ça va dépendre, comme je vous disais, où est-ce que vous allez, dans quelle pièce vous allez mettre ça. Mais vraiment le support c'est une très très bonne idée pour superposer machine à laver et sèche-linge. On a même une Bosch à 359,99 €. Allez, on va bientôt en avoir besoin peut-être pour avoir soit un chauffage d'appoint, soit son chauffage, ça va dépendre dans quelle pièce aussi. On a des petits chauffages bains d'huile à 39,98 €. Alors j'ai vu qu'il y avait deux tailles, il y a celui-là. Donc c'est pour des pièces d'environ 20 mètres cubes, 1500 watts, 3 vitesses. Puis après on a celui-là qui est un peu plus grand à 59,98 €. Celui-là il fait 2500 watts, 3 vitesses. La friteuse sans huile, elle est à 59,98 €. Donc ce qu'on regarde dans une friteuse, c'est évidemment la taille du panier selon la composition du foyer. Alors celle-là, ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, la, comment dire, voyons, on peut voir l'état des aliments. Parce que moi, la mienne, il n'y a pas ça. Donc du coup, je suis obligée de voir comment c'est à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin d'ouvrir, il y a une petite lumière. Donc c'est une 7,6 litres. 6-8 personnes pour faire 1,6 kg de frites fraîches. L'aspirateur balai Roventa, 99,98 €. Toujours lester le poids, 2,4 kg et 85 décibels, léger et compact. Et puis après, si vous préférez ce genre d'aspirateur, 99 € aussi. Donc, balai sans sac avec le contenant là, XXL. Donc le bac fait 2,5, rayon d'action 8,8, suceur 2 en 1, tête d'aspiration, donc standard énergie 900 watts. Ah, les paniers sur roulette, 3 paniers pour 9,99 €. Ça c'est bien pour mettre en général, on met tous la même chose, pommes de terre. Après on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre ses couverts, bref, 9,99 €. Oh mais c'est trop bien ça. Je ne savais pas qu'il y en avait ici. Alors je sais qu'il y en avait dans d'autres magasins, mais pas ici. Et encore, dans l'autre magasin, moi j'ai jamais trouvé. En fait c'est un, comment dire, c'est un panier pivotant. Donc on va pouvoir le poser comme ça sur sa largeur, et pour récupérer des produits, on va bien le pivoter. Donc on peut mettre ça dans les placards ou dans le réfrigérateur. Pas mal ça. C'est 9,98 €. Téléviseur Thomson 55 pouces, Google TV, 399 €. Après on a le LG 4K UHD LED. 165 cm, 549 €. On a celui-là, le QLED Hisense, 599 €, 65 pouces. Au niveau des téléviseurs, ils ont pas mal de choix au niveau des tailles, au niveau des marques. Et après, ça va dépendre de ce que vous recherchez, évidemment. Il y en a partout là, des téléviseurs. Un petit bureau, simple. 39,98 €.
tablette 8 pouces, 4 Go, 64 Go, 74,97 €. On a celle-ci et puis on a la 10 pouces, 128 Go, 99,97 €. Après, on a aussi celle-ci, la marque Arcos, 129,97 €. Après, on a tout ce qui est fixation au mur hein, pour vos télés. Je trouve ça, cet appareil sympa, c'est la forme en fait des croque-monsieur. 19,98 € hein, pour faire deux croque-monsieur, deux sandwichs en un. On a ce gaufrier aussi, pour faire deux gaufres, deux grandes gaufres, 29,98 €. On a celui-là, 19,98 €. Moi je trouve qu'ils sont bien parce qu'ils sont petits, parce que d'habitude les gaufriers ils sont énormes, mais là ils sont petits pour faire deux petites gaufres. Bon après les radiateurs aussi, bientôt la période des appareils à soupe, 39,98 €. Alors souvent on me demande mais ça sert à quoi en fait? Alors ça sert à mettre, vous allez juste avoir épluché vos légumes, mettre vos légumes, éplucher les légumes, les couper, les mettre à l'intérieur, ajouter l'eau, les épices que vous voulez. Alors attention, justement au niveau d'eau, faut vraiment respecter le minimum, parce que si vous respectez pas, en fait, quelques marques que ce soit, ça va se mettre en erreur. Donc vous mettez l'eau qu'il faut, et puis vous allez laisser, ça va cuire, ça va mouliner. Ça, c'est vous qui allez choisir, est-ce que vous voulez un velouté, est-ce que vous voulez des morceaux, vous pouvez faire des compotes aussi avec. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça maintient au chaud. 1000 watts, 1 litre 6. Alors, d'un appareil à soupe à l'autre, regardez bien les quantités, selon le nombre de personnes que vous êtes. Tiens, le blender Ninja, j'aime bien, en fait là c'est esthétique, je trouve qu'il est sympa. 59,98 €, donc c'est des petits blenders pour faire vos smoothies, vos petits moulinets. Et celui-là, il est bien parce qu'il est emporté. Hop, on va pouvoir le charger là. Et donc, vous allez pouvoir emporter votre blender où vous souhaitez. Tiens, on m'a demandé quel Tinecto on peut trouver chez Electrodépôt. Alors, on a celui-là, le Tinecto Floor Breeze. Il est à 249 € et le S5 Combo Plus à 389 €. Alors, c'est les fameux aspirateurs qui vont venir aspirer et laver en même temps. Alors moi j'ai pu tester, je vous ai mis la vidéo en ligne, le S6 Stretch, que je trouve très bien d'ailleurs, parce qu'en fait il n'y a plus rien à faire, il y a juste, et puis en plus il est super léger, donc il va venir aspirer, puis après il y a le rouleau qui va venir nettoyer en un passage. Hein. Après ça dépend, c'est toujours pareil, hein. Est-ce que vous faites votre ménage une fois par semaine, est-ce que vous faites tous les jours, parce que est-ce que c'est très sale, pas assez sale. Alors des fois sur des tâches tenaces, il va falloir passer une fois et repasser comme ça, mais franchement c'est vraiment bien. Vous voyez par exemple le S5, contrairement au mien, on peut l'utiliser aussi comme ça à main, et c'est bien parce que le mien aussi du coup il s'auto-nettoie après cela. Franchement j'ai pas regardé plus hein, mais voilà, si vous recherchez le S5 Combo Plus ou le Breeze, ils sont vendus chez Electrodépôt. Alors je voulais aussi vous montrer les nettoyeurs détacheurs qui pour nettoyer les canapés et tout ça. Alors d'habitude ils ont plusieurs modèles, mais là aujourd'hui je trouve que celui-là. Après c'est aujourd'hui, après là, peut-être qu'ils vont avoir un sort demain, dans la semaine, etc. C'est le Bissell détacheur Spot Clean Pro à 198 €. Parfois ils ont un autre détacheur beaucoup moins cher, c'est de la marque Valbert qui est très bien aussi. Mais là aujourd'hui, alors peut-être qu'ils l'ont mis à un autre endroit aussi. Mais voilà, si vous ne trouvez pas le jour de votre venue, sinon allez voir aussi sur leur site. D'ailleurs, je vous mettrai un lien si vous avez envie d'aller voir dans les... dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir, parce qu'ils ont d'autres normalement choix de nettoyeurs comme ça. Vous voyez, en passant, j'ai trouvé, je vous parlais de ça tout à l'heure en début de vidéo, pour pouvoir poser votre sèche-linge sur votre machine à laver, et il est à 39,98 €. Pareil, hein, vous pouvez aller suivre le lien que je vous mettrai, vous serez directement sur leur site, et vous pourrez chercher le kit de superposition. Et franchement, pour gagner de la place, c'est vraiment top. Après, comme je vous disais tout à l'heure, à condition de ne pas avoir un plan de travail, bien sûr. Mais vraiment, pour gagner de la place, c'est bien. Et puis même quand on fait son linge, donc il est là, on a juste à le mettre en haut.
Et puis terminé, on n'a pas à le mettre à côté ou quoi que ce soit. Alors ce qui est bien, c'est d'avoir un petit plan de travail à côté pour poser et plier son linge. Mais franchement, c'est vraiment un gain de place sympa. Je suis même en train de me demander s'ils n'avaient pas un autre modèle où justement il y avait une planche qu'on pouvait tirer. Allez, on termine par une table induction Brandt à 199 €. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous avez envie de voir comme article chez Electro-Dépôt. Ça peut être de l'électroménager, ils ont de la vaisselle. Il y a pas mal de petites choses intéressantes aussi au niveau de tout ce qui est astuces de rangement. Plein de gros bisous à vous, je vous dis à plus tard.